considérant l'implication personnelle du président de la République en matière de l'éducation, considérant également l'implication très significative de la première dame, je déclare au nom du gouvernement provincial lancer les épreuves au bénéfice de nos lauréats 2019-2020. Lancement officiel ce lundi 11 janvier 2021 à Kananga du test de sélection des candidats Excellencia, initié par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. La cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire du Kasaï central, Tarsis Kabatusilan Buyamba, en présence des parents, des lauréats et des autorités éducationnelles, s'est déroulée dans la salle des réunions de l'ONG Femme Main dans la Main pour le développement du Kasaï, FMMDK, qui représente la fondation portant les noms de la première dame à Kananga. Tous les 13 lauréats du Kasaï central, qui ont réalisé au moins 85%, se retrouvant à Kananga ou ailleurs, sont concernés par ces tests de sélection, précise la coordonnatrice nationale de FMMDK, Nathalie Kambala. La province du Kasaï central bat son record de lauréats après la ville-province de Kinshasa pour l'édition 2019-2020. Ils sont à 13 au total, dont 5 sont présents dans la salle que je vais présenter tout à l'heure et d'autres sont présentement à Kinshasa. Mais qu'à cela ne tienne, puisque leurs noms sont déjà retenus, ils ont alors la possibilité de présenter ces tests partout selon les modalités déterminées par l'organisation. S'exprimant à l'occasion, le ministre provincial de l'Éducation a, au nom des parents et lauréats, exprimé la gratitude des centres kassaïens à la première dame pour cet intérêt accordé à l'éducation de la jeunesse. Nous saluons ici l'initiative prise par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, à travers la fondation qui porte son nom, d'octroyer les bourses d'études aux élèves qui se sont distingués aux examens d'État. Saluant cette initiative de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, dont les lauréats de sa province sont bénéficiaires, les gouverneurs intérimaires les invitent à donner les meilleurs d'eux-mêmes à travers ces tests.